Je vous salue dans le nom puissant. I greet you in the powerful name. Le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Precious Lord Jesus Christ. Qui nous a encore rassemblés ici cette nuit. Tonight. Qui est content pour ce grand rassemblement des saints. And is happy for this. Qui est dans la joie pour ce grand rassemblement de ce soir. Balance les mains, balance les mains. Move your hands. Parce qu'aujourd'hui encore le Seigneur fera de nouvelles choses. Once more today, the Lord will aujourd'hui do le Seigneur va rebâtir les murailles. Les murailles qui ont été ébranlées. Walls that have les murailles been destroyed. Qui sont tombées. Ces murailles vont reprendre vie. They will sur les tas de poussière. Ces murailles vont commencer à naître. They vont commencer start. À sortir. Les murailles qui ont été autrefois maudites, out. Ces murailles seront bénies aujourd'hui. Before, et la malédiction ne sera plus. L'échec ne sera plus. Will not la mort ne no sera more. Plus. Death. La ruine ne sera will plus. Not stay no more. Alléluia. Also, amen. Parce que le Seigneur se souvient de vous. God, Jesus Christ, remember of you. Comme nous l'avons déjà annoncé et que nous avons commencé. As we told it and we announced and started. Le Seigneur nous a inspiré un thème puissant. The Lord inspired us a powerful theme. Et les jeûnes que nous faisons souvent, les jeûnes et prières que nous faisons souvent, fasting that you used to do, sont orientés vers la situation actuelle de l'Église locale et du réveil et de l'Église corps du Christ en général dans le monde entier. Are directly actually on the need of the church. Donc le Saint-Esprit and the Holy Spirit nous oriente vers les sujets importants, important urgents à régler dans son Église. That we have to resolve in his church. Et c'est dans cette réflexion, in this reflection, dans ce moment avec le Saint-Esprit qui nous donne l'orientation he give de sortir de ces thèmes qui vous permettront de comprendre, de cerner et de voir ce que Dieu veut pour votre vie, pour son Église, and for his church. Dans le temps actuel. In this time, parce que notre Dieu est celui God qui est. Is the one who is. Il est le Je suis. He is the donc, one who tout is. Est à l'actualité avec lui. And with him, everything is in actuality. Il est dans le passé, the past, il est dans le présent, is in prison, et il est aussi dans le futur. And is in the future. Mais avec nous, il est toujours but dans le présent. He is in prison. Et il répond aux besoins de façon quotidienne. Daily. Il répond aux besoins de son Église. The need of his church. Selon les situations que l'Église est en train de vivre. That the church is facing. Et le thème de ce réveil, and the topic of this revival, c'est levons-nous et bâtissons. And build. Dis à ton frère, say to your neighbor, levons-nous et bâtissons. Let's stand up and build. Levons-nous et bâtissons. Let's stand up and build. Le jeûne qui a précédé ce jeûne veut. On avait parlé sur le zèle de la maison de Dieu qui doit nous dévorer. Le zèle de ta maison me dévore. En réalité, c'est une suite. Parce que le Saint-Esprit est en train de bâtir quelque chose spirituellement dans l'Église. Il est en train de relever des runes. Et il est en train de reconstruire des choses qui ont été déjà détruit par l'ennemi. Il est en train de mettre chaque chose à sa place. C'est pourquoi vous êtes tenu de rester attentif pendant cet enseignement et les enseignements que vous aviez déjà reçus depuis le je ne suis le zèle de ta maison me dévore. Et aussi depuis le mercredi, le jeudi qui est hier, ces enseignements vous devez les revisiter. To revisit them, to visit parce que them ce n'est again. Pas pour demain. It's not for c'est tomorrow. Pour maintenant. It's for now. C'est pourquoi ces enseignements sont sortis. That's pour why que vous soyez éclairés. So that you can be lighted. Quand nous finissons les enseignements, we finish teaching, nous prions. We pray. Mais ce qui vous est beaucoup bénéfique, c'est but l'enseignement qui a été donné. Important for you, c'est les paroles qui ont été libérées sur votre vie, qui vous conseillent et qui doivent changer, transformer quelque chose dans votre vie. Donc, je vous conseille de réviser tous ces enseignements. Et vous allez voir un lien concordant dans tous les messages qui ont été donnés. Et c'est tout cela qui va contribuer au bâtiment que vous êtes, qui va achever le bâtiment que vous êtes
Alléluia. Amen. Nous allons lire notre texte de base dans Néhémie 2, le verset 18, avant de continuer. Our passage today on the book of Néhémie. Néhémie 2, verset 18. Tout. Je lis au nom de Jésus. Oui. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Verset 19. Alléluia. Oui, continuez. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur Ammonite et Geshem l'Arabe, en ayant été informés, se moquaient de nous et nous méprisaient. Il dit, que faites-vous là? Vous votez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Amen. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Alléluia. Amen. Mais vous n'avez ni pas, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Il dit, nous nous lèverons. We will stand. Nous, ses serviteurs. Oui, et servant. Nous bâtirons. And we'll build. Il n'a pas dit, je me lèverai. He said, not I will stand. Et je bâtirai. And I will build. Quoi qu'il a reçu cette vocation de bâtir, il a été le grand gouverneur, je parle de Néhémie, mais il a travaillé dans une synergie, il a travaillé en collaboration. Il dit, levons-nous et bâtissons, parce que cela nous appartient. Cette maison nous appartient. Ces murailles nous appartiennent. Cette ville nous appartient également. Also. Et si nous nous taisons, les ruines vont aussi avoir une conséquence sur notre propre vie. Et c'est pourquoi nous devons nous lever pour bâtir ces villes. C'est une très grande ruine qui est tombée sur le peuple d'Israël. Et les murailles qui avaient été détruites symbolisent beaucoup de choses. Le mercredi, nous avons écouté un message qui nous a analysé la situation, nous a relaté l'histoire de ce qui est arrivé en Israël. Hier, nous avons aussi reçu un enseignement qui est allé un peu en profondeur, qui nous a révélé les choses qui sont cachées, les choses qui ont fait que nous devons nous lever. Les choses qui ont fait que les murs sont tombés et que les murailles ont été détruites. And walls has been destroyed. Nous avons vu que la division est entrée, enters, la désunion unions, et beaucoup de choses qui sont entrées. And many of nous avons parlé des liens de l'esprit qui peuvent relier encore, that could relier les pierres, nous relier afin que nous puissions nous lever. Et c'est par ces liens que nous avons trouvé la force pour essayer de nous lever. Try to stand mais est-ce que toutes ces choses suffisent pour que nous soyons réellement, nous soyons levés réellement? Aujourd'hui, nous serons. Si cela suffit pour que nous soyons, nous levons. Alléluia. To ask to stand up. Nous allons lire le livre de Psaume 11, verset 3. We're going to read the book of Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Psaume 11, verset 3. Oui. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il dit, quand les fondements sont renversés, when the foundation que ferait l'homme juste? What could the right man do? Le juste, il ne the right qu'est-ce qu'il peut faire lorsque les fondements de sa vie sont renversés? What could he do when foundation of his life is overthrown? Il ne peut rien faire. Nothing. Le Saint-Esprit a souvent l'habitude de nous souffler cette parole. The Holy Spirit used quand les racines sont malades. Words. When roots, il n'y a plus rien à espérer. There are nothing to hope. Il n'y a plus rien à faire. Nothing to do. Donc, quand les fondements sont renversés, when nous allons chercher à bâtir. Front, mais lorsque nous ne trouvons pas le nœud, but when lorsque we nous ne trouvons pas ce qui a amené le fondement à être renversé pour rebâtir sur un autre fondement plus meilleur que le premier, ne pouvons pas nous sortir. We cannot come out. Alléluia. Amen.
Et aujourd'hui, and today, le Seigneur va nous permettre the Lord will permit de poser chaque pierre to lay à sa place, stone on his de poser place, les fondements à leur place the, et de lever maintenant les murailles. On the place and to raise the walls. Alléluia. Amen. Les murailles walls, ici here, représentent represents la vie de chaque croyant dans l'église. Of each believer in the church. Nous allons comparer we'll compare le bâtiment the building, à l'église, to the church, la ville à l'église the city, et aux membres de l'église. And member of the church. Les murailles que nous devons élever, what, what to que nous devons reconstruire ici, and we have to rebuild, sont vos propres vies. Are your own lives. C'est-à-dire la vie de chaque frère the life of et la vie de chaque sœur dans l'église. And his sisters into the church. Et la ville and the city, que nous devons bâtir, that we have to rebuild, qui avait été bâti, which have been mais qui rebuilt, est en train de tomber, and is falling, que nous devons rebâtir, and that we have to cette rebuild, ville, c'est l'église elle-même. The church himself. Et les murailles qui gardent the l'église debout, that keep the church, les murailles solides stand, qui maintiennent l'église the word that sur le fondement the on the foundations, ou sur les fondements, on the foundations, cette muraille, those walls, c'est toi et moi. Is you and me. Donc si la muraille a de problèmes, and if the world has problems, alors la ville the city also a aussi de problèmes. Have problems. Si les murailles ne sont pas à leur position, if they are not in their position, si les murailles n'ont pas atteint la hauteur if maximale, they are not on the high, alors la ville peut être infiltrée par l'ennemi. The city can be donc il faut que les murailles enemy soient élevées the wall et que be la ville more, soit entourée so could be surrounded pour empêcher l'infiltration de l'ennemi. The entering of the enemy, to prevent the entering of the enemies. Vous allez me lire le livre de Éphésiens. You will read for me Éphésiens 2, 19 et 20. To 19 to 20. Éphésiens 2, 19 et 20. Éphésiens 2, verset 19. Mm-hmm. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors. Vous n'êtes plus des étrangers. You are not foreigners. Ni des gens du dehors. No, people vous allez of bien comprendre outside. Pourquoi l'apôtre, quand il a commencé, il a dit ça. You understand well why vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors. You are not foreigners or people of outside. C'est l'étranger qui vient pour détruire. The outside mind come to destroy. C'est l'étranger qui vient pour renverser. The outside mind mais come les gens to de la maison, but people inside, eux, ils sont là pour bâtir. They are there to build. Eux, ils pensent comment bâtir. They think about how to build. Eux, ils élaborent les procédures. They think about procedures. Les moyens. Name or means. L'organisation. Organization. Pour pouvoir bâtir la maison. To build the house. Afin que cette maison so subsiste à la tempête. To win. Subsiste au ravage. To damage. Subsiste aussi aux infiltrations de l'ennemi. Infiltration of enemies. Subsiste devant la guerre. Before wars. Devant les conflits. Before conflict. Etc. Continue. And so on and so forth. Mais vous êtes concitoyens des saints. Vous êtes concitoyens des saints. You are citizens of the holy ones. Gens de la maison de Dieu. Vous êtes les gens de la maison de people Dieu. People of the house of God. Dieu a une maison. God has a house. Et vous êtes les gens de cette maison. And you are people est-ce que vous of comprenez? This house. Do you understand? Hier, nous avons appris yesterday we learned que nous sommes, nous aussi, la maison de Dieu. We are also n'est-ce pas? House of God. Mais aujourd'hui, but today, nous allons apprendre we'll understand, que nous we'll sommes learn les gens de la maison de Dieu. That we are people donc of Dieu the house a une maison générale. God have a general Dieu house. A une assemblée générale. God have an assembly, et general nous sommes assembly. Les membres composants de cette assemblée de Dieu. Of this assembly of God. Donc le pouvoir de décision the power of decision nous a été donné. Has been given to us. Le pouvoir de choisir the power to choose nous a été donné. Has been given donc to si us. Ça échoue, c'est à cause de nous. If it fails, si ça réussit, c'est aussi if à cause it de nous. Succeed, because si of ça us. Ralentit, c'est if aussi it à cause stop, de nous. It is because of us. Et si ça évolue, and if it's gone, c'est aussi à cause de nous. It's because of us. Donc Dieu a sa maison. God has his house. Et il nous a mis dans cette maison. And it put us inside. Et il ne nous a pas dit que nous sommes des étrangers. Say, ah, we are foreigners. Mais il nous a dit, but vous say, êtes les gens de la we maison. Are people la maison inside vous appartient. Of the house. La maison, c'est and pour this vous. House belongs to décidez you.
de comment vous allez fonctionner dans cette maison. Décidez des règles, des normes de cette maison. Parce que je vous ai donné l'autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai transmis le pouvoir. Puisque vous n'êtes plus des étrangers, et étant des gens de la maison, vous êtes censé connaître les lois qui régissent la maison. Alléluia. Amen. On continue. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, des prophètes, et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Donc, il est en train de montrer sur quoi la maison a été bâtie. Si on sent que la maison commence à bouger, that the house start to move. Si on voit que la maison est tombée, see that the house cela veut dire que l'édifice ou la première pierre sur laquelle la maison a été posée, the house have been laid down, a été renversée, has been a été déplacée, has been moved, ou encore a été changée. Or have been changed. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? What we have to do? Il faut voir clairement. You should see, la maison est-elle debout? Non. Is he standing on? Si elle n'est pas debout, pourquoi elle n'est pas debout? If it's not standing on, parce que le fondement a eu des problèmes. Et il faut maintenant ramener le fondement. Il faut rappeler le fondement. And to call back to the foundation. Et cette ville a aussi des fondements. And this city has also foundations. Les fondements aussi ont eu de problèmes. Has also problems. Et voilà, les murailles and the walls cessent de grandir. Stop growing. On bâtit and we build, mais on ne sent pas qu'on bâtit. But we feel not that on we bâtit, are building. Mais les murailles restent the walls à l'étape stay at the primaire. Same state. Dans la l'étape de la primaturité. The stage, the et ne veulent pas grandir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renouveler le fondement. We should renew the foundation. Il faut remettre la pierre là où elle est. Back the stone. Il faut centrer la pierre là où elle est. Et on a rappelé que la pierre de l'angle, la pierre angulaire, c'est qui? C'est Jésus-Christ lui-même. Il faut que Jésus reprenne l'autorité dans son église. Il faut que Jésus prenne le contrôle de l'angle. C'est-à-dire le centre même de l'église. Of the church. Il faut que le Christ prenne le centre. Christ should take parce que lorsqu'il se trouve au centre, when he is in the church center, toutes les autres parties all vont se tourner vers lui. We direct it parce qu'il est le centre, to him because il est the la base, il est le fondement, il est le solide fondement. Solid foundation. Mais si on enlève ce fondement, take off this foundation, est-ce que la maison peut subsister? Could the house subsist? La maison ne peut pas subsister. No. Elle va commencer à vaciller. Start elle va commencer à vaciller. Shaking. Et finalement, elle va faire and quoi? Finally, finalement, elle va tomber. It et will fall on down. Va constater ses ruines. It rules. Et aujourd'hui, but today, Christ sera rétabli dans ta vie. Christ et Christ will be reestablished in your sera life. Rétabli aussi Christ dans son église. Also be reestablished dans le lieu saint. In the holy place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez me lire aussi le livre de 1 Timothée 3:15. Read to me 1 Timothée 3, verse 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alléluia. Amen. Il nous rappelle la même chose. Il faut savoir comment se conduire dans la maison de Dieu. We have to know how to conduct ourselves in the house of God. Qui est la colonne, which is the et l'appui pillar de la vérité. And support of truth. Le Seigneur Jésus peut dire, the Lord Jesus Christ say, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Sanctify them with your truth. Car ta parole est la vérité. Your word is true. Et lui-même, il est and la vérité. Is truth. Cela voudra dire que l'appui des colonnes, l'appui de la maison, of a house, c'est la vérité. Is truth. Et nous venons de comprendre
And que l'angle c'est l'appui. That, et si l'angle est l'appui, is, et que le Seigneur Jésus représente l'angle, represented by the Christ, chaque vie, chaque maison, each life, and et l'église house, and the church also, doit être posée sur la pierre de l'angle, should be laid on sur the la cornerstone, vérité. Meaning the truth. Si cette vérité a disparu, if this truth disappears dans ton cœur, in your heart, aujourd'hui elle sera rétablie. Today, mais il faut que tu sois à l'écoute. It will be restored. Il faut que tu sois attentif. But you should il faut be que careful. Tu reçoives la parole dans ton cœur. You have to receive parce the word la parole in your a heart. Une puissance. Because the la word parole est esprit. The word is spirit. Si tu fermes ton cœur, if you close your heart, cette parole va venir, va frotter ton cœur. This word mais si tu come. Ouvres ton cœur. And elle va entrer your heart. Dans ton cœur. Elle va jouer son rôle. And va transformer ton cœur. Va changer heart. Ton cœur. Change et va rétablir la vérité dans truth. Ton cœur. La vérité truth. Au lieu sûr. In the right place. Alléluia. Amen. Nous allons lire cette parole du Seigneur Jésus lui-même. This word of the Lord Jesus himself. Qui confirme tout ce qui a été dit. That attests dans what Ephésiens 2, 19, 20, book of Ephesians 2, et dans 20, 1 Timothée 3, 15. 1 Timothée 3, 15. Matthieu 7. Let's read the book of Matthew. Matthieu 7, le verset Matthew 24. 7, verse 24. Matthieu 7. Matthieu 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Alléluia. Amen. Le Seigneur lui-même vient maintenant pour rappeler tout ce que nous venons de dire. Come back to remind all what we have said. Sur quoi la maison doit être bâtie? On which quand on dit la parole de Dieu, c'est un peu vague. When we say the word of mais God le Seigneur vient pour rappeler correct. Que ce sont en réalité les paroles qu'il a dites. The Lord come back here to say that les paroles qu'il a laissées. He has told c'est sur ces paroles-là que les maisons de votre vie doivent être bâties solidement. Si la maison n'est pas bâtie sur les paroles que le Seigneur a laissées, elle ne peut pas tenir. They could not cela veut dire que la parole de Dieu compose plusieurs paroles the word of God compose many, qui est-ce viennent pour nous poser sur le fondement to put us on the afin que notre maison soit solide solid. Afin que notre maison tienne that réellement our house could stand afin que notre maison ne tombe pas and fall not. Il a bien dit, la pluie est tombée, les torrents sont venus, rain comes, les vents ont soufflé wind comes, et se sont jetés contre cette maison. And fall down elle on n'est house, point tombée but parce qu'elle était fondée because sur le the roc. House was built on the rock. Elle était fondée sur le the roc. House was built on the rock. Est-ce que tu as fondé ta maison sur le roc? Have you built your house est-ce on the que rock? Tu as fondé ta vie sur le roc? Have you built your heart on the rock? Si tu ne l'as pas posé sur le roc, if it's not laid down on tu the ne rock, peux pas bâtir. You could not tu as posé sur le sable. You et tu vas bâtir. Build it on the sand. Tu as fait des étages. And you will build it. Et c'est à la fin que tu vas constater with many living at the que end, la maison that the n'a house pas été bâtie comme not being il le fallait. Built has en ce it moment, should. Qu'est-ce que tu vas faire? At this moment, what are you là, going tu to vas do? Reprendre à zéro le travail. You will take again the mais work. Là, tu vas passer assez de temps you will pass que tu vas perdre much time parce que la lose. Maison n'avait pas été bien because bâtie. The house was pourquoi not chacun well built? Doit savoir comment each bâtir sa vie chrétienne. How to build his whole life. Ma vie chrétienne ne doit pas être bâtie à défaut. Your Christian life should not be built. Je ne suis en concurrence avec personne. Want, I'm not je ne suis en course avec anyone. Personne. Pour aller au même rythme que les autres. To go at the same pour essayer de filer comme les others. Autres. Non. No.
Je dois suivre les étapes. Chaque étape any steps doit être respectée. Should be si respect. Tu ne respectes pas les étapes, if you don't que tu sautes une étape, and you let down ça va te one rattraper step, en arrière. You will quand tu dépasses it. Une autre, if you ce que tu as sauté one, va te ramener encore. What you jump and less, et c'est là ce sera comme une routine. Tu pars et tu reviens. Like tu pars et tu reviens. Things. Tu pars et tu reviens parce you que la maison back, n'a pas été réellement bâtie selon les normes laissées par le Seigneur, les normes de sa parole qui doivent être semées en vous. On his word that have to be sown in you. Dis à ton frère. Say to your neighbor, your bâtis brothers, ta maison sur le roc. Build your house on the rock. Bâtis ta maison sur le rocher. Build your house on the rock. Bâtis ta maison sur Jésus-Christ. Build your house on Jesus Christ. Bâtis ta maison. Build your house sur la pierre angulaire. On the cornerstone. Nous allons encore lire un passage we'll dans 1 Pierre 2. Scripture in first book of Peter, 1 Pierre 2, à partir du verset 4. Starting by verse 4. 1 Pierre 2, verset 4. Et vous me lisez aussi le 6, le 7. Oui, verset 6, 7 also. Mm-hmm. 1 Pierre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, oui, rejetée par les hommes, mm-hmm, mais choisie et précieuse devant Dieu. Verset 6. Car il est dit dans l'Écriture. Non, lisez le 5 aussi. 4, 5, 6 et 7. 1 Pierre 2, verset 4. Oui. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Oui. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Mm-hmm. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Celui qui croit en elle ne sera point confus. Whoever believes in him, mm-hmm, will never be disappointed. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mm-hmm. Ici hâte pour n'avoir pas cru à la parole. Ici hâte pour n'avoir pas cru à quoi? À la parole. Mm-hmm. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Mm-hmm. Vous au contraire, vous êtes une race élue. Oui. Un sacerdoce royal, oui, une nation sainte, mm-hmm, un peuple acquis, mm-hmm, afin que vous annonciez, mm-hmm, les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Il dit, car il est dit dans l'Écriture, c'est le verset 6 qui nous impressionne dans ce passage. It's the verse 6 that impressed me. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. I put in Zion choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, and whoever believe in ne him, sera point confus. Will never be disappointed. Celui qui croit en cette pierre, whoever ne sera in this point stone, will dans never la be confusion. Disappointed. C'est le premier élément. This is the first element pour commencer à bâtir sa maison. To start building his house. C'est le premier élément pour que la maison commence à décoller. So that the house starts. Parce que la maison doit être bâtie sur la pierre angulaire. Normally, the house should be built on the cornerstone. Si tu prends connaissance, and you take note, ta maison doit être bâtie sur la pierre angulaire. Your house has to be built on the cornerstone. Par la foi, through faith, par la croyance, through believing, en cette parole, on this word. Ou en ces paroles, on this word, alors tu commences à bâtir so sur le roc. C'est pourquoi le Seigneur Jésus doit that's être le rocher de chaque chrétien. Rocks of il doit être réellement. Ça ne doit pas être seulement truly à la bouche. Not mais il doit l'être only dans les actes. Il doit l'être dans les faits. Il doit l'être aussi dans les étapes de la marche chrétienne que tu as suivie. Il doit l'être aussi
dans les réalités que tu vis. The reality you are living. Si Jésus est ton rocher, is your rock, comment se fait-il que un petit sorcier t'ébranle? A small witch or wizard. Si Jésus est ton rocher, make you tremble. Comment les œuvres de la sorcellerie ne how te relâchent pas? Jesus is your rock. Si ta maison est solidement bâtie sur le roc, qu'est-ce que la Bible a dit? Lorsque le vent, la tempête, le torrent viendront, quand cette maison subsiste, cette maison reste debout. This house will subsist. He will stand. Donc cela montre que lorsque les ennemis viendront, quelle que soit leur nature, qu'ils soient spirituels, qu'ils soient physiques, qu'on puisse les voir, you could see them. Quel que soit ce qu'ils feront contre whatever cette maison, they will do against parce que house. Cette maison a subi plutôt les étapes. Cette maison va rester debout. Follow et cette maison ne peut pas tomber. Stand. It will not fall. Cette maison va rester debout et va florer toutes ces this choses. This house will stand firm. Et ne tombera jamais. And will not fall down. Donc si dans ta never. Vie, if in your house, écoute-moi très in bien. Your si life, dans ta vie, in your ça life, ne finit pas. It ça ne finit not. Pas. It finishes not. Toujours tu te vois vaincu. And every day you have been overcome. Il faut revoir encore la base. It means that you have to review la base, ce n'est the rien foundation, d'autre. The base. La base, ce n'est rien d'autre. Même dans Néhémie 6, lorsque le temps du rebâtissement était arrivé, at the moment of rebuilding, qu'est-ce que Néhémie a fait? What Néhémie has, il a appelé Esdras, qui est le sacrificateur de la loi, oui, qui a relu toute la loi devant le peuple. The law et c'est the lorsque people. La loi a été relue que tout le peuple se prosterna pour dire que l'Éternel est réellement Dieu. And they say, truly, the Lord is God. Donc, il faut d'abord reconnaître you cela à la base. First recognize this. Et vous allez aussi voir, quand nous faisons recours à l'histoire d'Élie avec les prophètes de Baal et d'Astarté, upon the story pour rebâtir Elijah and Israël spirituellement, the witchcraft, qu'est-ce qu'il a fait? Israel, il a remis les pierres là où il faut remettre les pierres. He put stone where he has to put souvent, stone. Quand nous chantons Élie a prié, le feu est descendu, when we sing Elijah, certains pensent que c'est pour consumer les ennemis. Down, non. Some people think that it's ce n'était conform, pas le feu qui consume les ennemis. Enemies. Ce n'était no. pas pour détruire. It's not to destroy. Mais Élie avait restauré Elijah ce qui devait être restauré. What has to be restored. Élie avait restauré le temple, l'autel où le sacrifice devait être. Et c'est lorsque l'autel a été restauré maintenant que le feu de Dieu est descendu pour confirmer, pour attester, and to certify. Pour mettre un sceau. Pour dire, voilà, je suis maintenant le Dieu d'Israël. I'm now the God of Israel. Donc cela veut dire que si l'autel n'a pas été rebâti, rebuilt, ou la reconnaissance n'a pas été donnée à celui de droit dans ta vie, tu vas tourner en rond. Right, tu vas toujours tourner en rond. You tu vas toujours tourner en rond. You et tu n'auras jamais la paix. And you will have no peace. Ça, tu vas te demander, mais qu'est-ce qui ne va pas? Yourself, j'ai cru en Jésus. Wrong with me, but I believe in Jesus. Et cette affaire commence à miner l'église. Et moi, je veux que ça church. Finisse réellement. But, may I want je veux que par le renouvellement de l'intelligence, vous atteignez un niveau supérieur dans votre foi. Vous atteignez un niveau élevé dans votre foi. Que vous ne soyez plus des petits esprits ou des enfants qui sont ébranlables à toute attaque spirituelle. Mais que spirituellement, vous soyez bien bâti avec les âmes plus excellentes, les plus performantes, les plus tranchantes, les plus puissantes. More powerful et c'est Christ qui l'opère. And it's Christ who vous devez comprendre ceci. You have to understand this. Plusieurs sont many are venus à croire. Ils sont arrivés à many croire finalement believe, finally, que leur condition qu'ils vivent that the condition in which they are est la volonté de Dieu pour leur the vie. Will of God for their life. Leur mauvaise condition qu'ils vivent the bad condition est ce que Dieu veut pour leur vie. What the Lord want to their life. Est-ce que c'est ça? Is it this? C'était croire aujourd'hui believe today que l'oppression de Satan, the oppression l'oppression des démons of Satan est naturelle or demon is natural. Et que c'est pour toute la vie. Oh, come on, and it's for all life. Tu dois vaincre les oppressions sataniques. Overcome tu dois quitter cette étape. Si tu ne quittes demonic pas cette étape, comment tu vas adorer ton Dieu? Go,
Comment les murailles de ta vie seront bâties si l'église ne quitte pas cette étape? Comment la gloire de Dieu sera restaurée dans le temple? The Lord should be restored in the church. Si l'église n'atteint pas le niveau supérieur de la foi, où les membres veulent atteindre la paix, and member want to c'est-à-dire les petites choses là, nous avons déjà dépassé ça. Nous courons maintenant pour atteindre la perfection. And we are running nous courons maintenant pour atteindre l'état de Christ. To come to the stage nous of ne regardons plus en arrière. We are not going back. Si l'église n'est pas pour cela et que l'église est toujours composée des enfants spirituels, spiritual children n'ont même pas encore atteint le lait spirituel. That have not come to the spiritual place. Et c'est tout à l'étape où ils sont à la merci des démons, où ils sont à la merci des esprits méchants, où ils sont à la merci des attaques diaboliques par-ci par-là. Comment est-ce que vous allez arriver? How will you come out? Est-ce que vous serez réellement des enfants du royaume des cieux? Will you truly be? Est-ce que là vous serez réellement des fils de Dieu? Dream? Will you truly be son chacun doit comprendre of God? Ceci. You have to understand this. Quand j'ai reçu le Seigneur Jésus, when I receive Lord quand Jesus, j'ai reçu Christ, when I receive Christ réellement dans ma truly vie, in my life, je dois savoir I have to know que j'emporte une nouvelle alliance. Taking a new covenant, c'est comme si j'étais like d'un autre côté. I was in other side, et on me prend et on m'envoie à un autre côté. Me to another side. Si je suis au Seigneur, if I was et qu'on vient me changer de classe, class, on m'amène au CME. And they put me in the superior class. Est-ce que je serai toujours conditionné par les réalités du Seigneur? Reality of the last est-ce que one? Je serai toujours comme un enfant de Seigneur? Est-ce que c'est ça? Is it this? Mais pourquoi aujourd'hui, why on proclame à la bouche? We proclaim on our mouth, Christ m'a sauvé. That Christ on proclame saved à la bouche, je suis we délivré. Proclaim that I'm being on proclame delivered à la bouche, we proclaim our mouth, je suis né de nouveau. That I'm being born again. Mais en réalité, but dans truly, la réalité, in, truly, on voit truly toutes talking, autre chose. We et ce sont des the, choses qui sont en train de tuer things la foi dans l'église. And that's what is killing faith into the church. Ce sont des réalités qui sont en train de tuer la foi des enfants de Dieu dans l'église. La foi des chrétiens dans l'église. Of children of God and Jésus dit, the church. Lorsqu'il va tarder, la why foi du plus grand Jesus nombre se refroidira. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris l'important. Ils n'ont pas compris l'essentiel. Ils n'ont pas compris le but. Ils n'ont pas compris la base, le fondement. The base and the foundation. C'est à cause de cela because of this, ils sont toujours vacillants. Ils ne savent plus où poser leurs pieds. They are shakeable and they don't know where to put their feet. Devant les oppressions sataniques, devant les attaques du diable, attacks of quelle est ta réaction? Devil, what is quelle your est ton attitude? What is your attitude? Est-ce que tu commences à grelotter? Est-ce que tu commences à avoir peur? Est-ce you que tu commences à grincer les dents? Fear, voilà, ils sont encore venus. Voilà, ils sont say, ils veulent encore me détruire. Est-ce que c'est ça? Behold, they come. They want to destroy me. Mais tu es serein. Oh, you tu observes. Quiet and tu es serein. Observe. Tu ne vois même pas. You see je vous it dis, not. La vie chrétienne même, the Christian life, c'est la marche avec l'assurance. Is work with on assurance. Marche avec une assurance, we work with an assurance que le Saint-Esprit lui-même that the donne. Holy Spirit himself et gives. Par cette assurance, and through this assurance, on n'est pas influencé par ce qui we se passe. Influenced on n'est pas by influencé même par ce que le diable est en train de faire. By what the devil himself is doing mais c'est against parce us qu'on a perdu cette assurance it's qu'on est parti sur le roc. That we have been c'est parce qu'on a perdu rock cette assurance, it's because we lost this assurance qu'on doit être posé sur le roc, laid down on the rock que devant les petites attaques, before devant small les petites choses attack or small things qui viennent contre notre vie, which come against on commence our life, à se soumettre à l'attaque we de l'ennemi. Start submitting nous-mêmes, on appelle enemies, l'ennemi de nous vaincre we parce qu'on lui montre déjà notre état. Us. On lui montre que spirituellement on n'est pas prêt. On lui montre que moralement on n'est pas prêt. On lui montre que psychologiquement il a vaincu. Il a gagné le combat d'avance. Il faut que les chrétiens changent de mentalité. Il faut que les enfants de Dieu changent de mentalité. Dis à ton frère, changeons de mentalité. Let change mentality. Changeons de mentalité. Let change our way of thinking. Nous sommes dans une guerre spirituelle. We are in spiritual war. Mais nous sommes aussi dans une guerre psychologique. We are also in et nous sommes aussi dans une guerre émotionnelle. An emotional war. La guerre the war intervient
intervene, lorsqu'il y a quelque chose qui a été conclu, when there is something, ou lorsqu'il y a un désaccord, conclude, or parce qu'il y a une conclusion, because ou il y a un contrat, il y a un désaccord qui vient. Or et c'est à base de cela que la guerre intervient. On the base of this, the s'il n'y a rien au départ, il n'y a pas la guerre. Nothing at beginning, there is no war. Donc cette guerre dans laquelle this nous sommes, which we are, nous avons remporté la victoire par une conclusion qui a été déjà faite. Par un contrat éternel qui a été déjà fait. Covenant, et ça, vous devez le savoir. This, you have to know it. Pour que cela n'arrive pas à enlever cette foi que vous devez avoir au début. Take off this faith that si you vous ratez l'étape de la foi, if you miss qui va, faith, commencer à construire votre maison, à construire house, votre vie, à bâtir life, votre vie. Si vous ratez cette étape au début, sachez que vous avez déjà tout raté. Vous allez toujours planer, vous allez planer, house. Vous allez planer, vous allez planer. Vous allez planer et vous allez encore tomber. And you will be et vous allez faire falling. 10 ans, 15 ans, you could 20 ans dans l'église 10, 20, avec les mêmes démons. Yes, into the church with the same demons. Est-ce qu'un chrétien pour les chrétiens est l'habitation des démons? Be an habitation. Disons la vérité. Est-ce que chrétien est l'habitation des démons? Each other truth. Est-ce que vous entendez bien le mot chrétien? Ça veut dire quoi? Quelqu'un pour me répondre. Chrétien. Do you understand the chrétien word veut Christian? Dire Christian means petit Christ ou dérivé de Christ, sorti de Christ. Or coming out from ou bien, Christ. Si on dit chrétien, qu'est-ce qu'on devait voir? When we say qu'est-ce qu'on devait lire? Qu'est-ce qu'on devait sentir? Or feel. Il n'y a pas le micro. Quand on dit chrétien, on doit voir l'image de Christ en nous. C'est clair. On doit voir l'image du Christ en when nous. When we say Christian, we should see the image of Christ within us. On doit voir l'image du Christ en nous. We should see the image est-ce que Christ of Christ était ébranlé? Within us. Christ was n'était pas Christ ébranlé. Shakeable? Christ no. Était toujours solide. He was always solid. Christ était resté inébranlable. And he stayed unshakable. Devant le chantage du diable même, il restait comme silencieux. Parce que ce n'est pas cette parole qu'il a écoutée. Ce n'est pas cette parole qu'il a reçue. Il n'est pas bâti sur cette parole-là. Il y a de ces paroles qui viennent pour troubler ta foi. Which come to trouble your faith. Pour renverser le fondement en toi. Et il suffit seulement que tu prêtes oreille à ces paroles. Take your ear et que tu commences à nouer de la foi, à prendre, à donner plus d'attention à ces paroles, it, et tu tombes. Attention on it, and you will fall down. En réalité, nous n'avons qu'une seule parole. Truly, we just want qui est la one parole de word, Christ, which is the word of Christ. Par laquelle nous marchons. Through which sur laquelle work, nous sommes, nous marchons. On et qui nous conduit. Work. Donc si and dans la marche, il y a une autre parole qui vient work, et que nous apercevons ou qui passe, come, que nous entendons, appeared, qu'est-ce que nous devons faire de cette parole? Nous devons mettre cette parole là à côté. Parce que notre foi doit être bâtie sur la parole de Christ. Ou rien, et ça ou rien. Il n'y a plus d'autre parole. Only this. Mais lorsque tu commences à croire when you start believing, que ta situation ne changera pas, that your situation tu vas rester dans la situation. Change, lorsque tu as commencé à croire que les thinking, démons peuvent te posséder, like tu seras possédé you, par des démons. You will be possessed by demons. Mais lorsque tu vas commencer à croire when you start que les démons ne peuvent pas te posséder could not possess et que you, tu vas te lever, and you'll stand, Christ va rebâtir Christ les murailles de ta vie qui ont été brisées. Life. Alléluia! Amen. Lorsque tu vas croire when que les démons sont dans ta vie ou peuvent détruire ta vie ou peuvent avoir la puissance life, sur ta vie or could sache have que power on your life. Tu es sorti du combat. You come out from the battle. Même tout combat que tu vas faire c'est dans l'échec que tu vas combattre. Face, you will tu es déjà à terre et tu vas failure. Combattre. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Je ne suis pas en train de dire I'm not saying that. Qu'il n'y a pas des gens qui sont possédés qui ont besoin de délivrance. There are some who are possessed and need deliverance. Il y a certaines no, personnes qui dans le monde there are some ont été marquées négativement, who ont quitté des familles, où ils sont liés à des pattes de sang, parce que le sang tire des alliances. Ça c'est normal. Blood, mais lorsque tu viens à Christ, covenant, but un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, quinze ans, vingt ans, six, ten, twenty years. Et que les mêmes choses continuent. And the same thing continues. Là, on a une question à se poser. Est-ce que tu es réellement question en Christ that we have to ask ou ourselves. Tu n'as jamais été en Christ? Have you ever been in Christ? Est-ce que or j'ai you été never réellement been in Christ? En Christ?
où je n'ai jamais été en Christ? Est-ce que mon esprit a été réellement renouvelé? Est-ce que mon âme a été libérée? Est-ce que mon âme a reçu la délivrance authentique? Jésus a dit, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Ce pouvoir, cette autorité et cette puissance, ce n'est pas seulement lorsqu'on commence à prier ou lorsqu'on commence à ordonner que le diable se soumette à nous. Non, ce n'est pas ça. The devil submit himself to us. Mais ce pouvoir qui nous a été donné, this power that has been given to us, et cette autorité que nous avons reçue, and this authority that we have received, un pouvoir par lequel power nous ne sommes plus soumis, we are not submitted aux démons, to demons, dans le sens où les démons ne peuvent plus nous conditionner. Les démons ne peuvent plus conditionner notre vie. Les démons ne peuvent plus conduire notre vie. Parce que nous sommes désormais conduits par Christ. Nous sommes désormais orientés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes désormais orientés par le Saint-Esprit. Et il faut que nous comprenions cela. Christ. And we have to understand this. Si ton entendement te dit, if your understanding, là où c'est arrivé, toi, il n'y a rien qui puisse te libérer. The situation quand ton now, entendement va commencer à te dire, can free là où tu it. Es arrivé, vraiment cette situation ne finira come plus. At the level, lorsque ton this entendement will not finish. Aussi va te dire, c'est toujours when la voix des démons qui va te dire, là il faut vraiment, il faut cesser parce que tu n'auras jamais de succès. You will not stop, you will not have ce que tu success. Dois comprendre, what you have to understand, c'est que tu dois ordonner à cette parole. That you should order this word, tu dois prendre le contrôle de la situation take control on et ordonner à cette loi de l'entendement and order on this law of your qu'elle n'a pas la raison d'être dans ta vie. That he has no reason to be toi, dans ta in vie, your life. Toi, tu ne connais pas en réalité l'échec. You don't know face. Toi, tu ne connais pas en réalité la destruction, tout ça. Toi, you tu ne don't connais pas. Know destructions. Mais si tu reconnais que ça existe, but if you recognize ça va exister. Exists, it will always parce que la foi, c'est ce qu'on espère. Because faith si tu n'as pas pensé, tu commences à te faire une image d'un obstacle spirituel dans ta vie, l'obstacle va venir en même temps. An image of an obstacle mais your si spirituellement, sachant que ta vie n'est plus bâtie sur les fétiches du village, sur les choses du village, les choses de tes pères, et que ta vie est maintenant bâtie sur Jésus-Christ. Et qu'en Jésus, on a une nouvelle vie, on a une nouvelle création, une nouvelle loi, on a un nouveau gouvernement, on a un nouveau chef de famille. Alléluia. Amen. On n'a plus l'autre chef de famille là, ce n'est plus lui. On a un nouveau chef de famille. We have a new on a un nouveau grand frère. We have lorsque a tu commences à croire brother, cela, à comprendre cela, this, à mûrir cela dans ton esprit, and fake your needs, tu vas voir que le combat va changer de in camp. Your spirit, you will see tu ne seras plus là à citer tous les jours les psaumes. You ou will à citer les versets de combat qui ne changent jamais ta counting vie. Psalms are verses that change je vous life. Dis ceci. Let me tell this. Tant que tu ne comprends pas la parole de Dieu, as long as you will not understand the word of God, tu ne comprends pas la révélation de la parole de Dieu, the revelation ou la situation of God, que tu vis, to change your life. Tu n'as pas une portion de l'Écriture. You are not a portion of the Scriptures. Qui a changé ta mentalité ou qui a renouvelé ton intelligence? Change your mentality or renew toutes les prières que your tu feras n'aboutiront jamais. You will do, you will reach to tant que tu n'as pas quelque chose as you have sur qui tu as une foi, tu as fondé une foi, which you base et que your tu retiens, and que tu gardes, and that you retain tu vas and prier, keep. Tu vas tout faire. You mais cette prière ne produit best, jamais de fruit. But they will not product fruit. C'est là que tu vas prier, tu vas and transpirer, tu vas être éveillé de prière. Mais ce qui doit te transformer en réalité, tu l'as pray. Laissé à côté. What you should do, et you let tu es devenu un prieur. At a side. Il y a des prieurs and dans l'église prayers, qui ne comprennent pas l'essentiel, mais qui s'attachent à la prière. Oui, nous allons prier. And nous allons prier. La prière est indispensable. Mais comprenons ce pourquoi and nous sommes en train de prier. Understand why we are praying. Si je ne comprends pas if ce pourquoi I je suis en train de prier, praying, comment est-ce que je vais prier? How could I pray? Si je ne comprends pas ce if qui me donne la force de prier, pourquoi je suis en train de prier alors? Why am I praying? Est-ce que vous savez ceci? Do you know this?
que ce n'est plus aujourd'hui que les œuvres des ténèbres seront détruites dans notre vie? Est-ce que vous savez ça? Les œuvres des ténèbres ont été détruites déjà le jour où j'ai pris la résolution de croire en Jésus et de faire de Christ le socle de ma vie, le solide fondement, l'angle du bâtiment que je suis. The corner of the building that I am. C'est déjà depuis ce jour que les œuvres des ténèbres sont écroulées. C'est depuis ce jour que les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur ma vie. Darkness have no power. C'est depuis ce jour que la mort n'a plus d'autorité sur ma vie. Time, death have no power upon my life. Parce que 2 Corinthiens 5:17 dit, si nous sommes en Jésus, nous sommes devenus quoi? Une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses doivent devenir nouvelles. Ou toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Proclame-le tous les jours quand tu te lèves. Proclame que toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Dis-le, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Répète-le, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Je le proclame ainsi. I proclaim it like that. Mais lorsque tu vas croire que rien ne va changer, when you will think that nothing will change, ta foi est mise de côté. Your faith is aside. Ça sera comme si tu ne crois même plus en Jésus. If you do not believe in Jesus, mais tu vas croire que c'est you will believe that à force de prière by praying, que tu vas changer ta situation. Every time you change your situation. Ça, c'est des vérités que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Truth that et chacun doit s'orienter et doit comprendre en réalité ce que l'Esprit de Dieu est en train de lancer. You should be directed. Nous allons prier, oui. According to mais what the Holy Spirit is telling to l'essentiel. We have to pray, but comprenons we have to là où nous sommes tombés. Comprenons where we là où nous down, sommes arrêtés. Where we stop. Et à cause de cela, nous n'arrivons plus à grandir. Nous n'arrivons plus à monter. C'est comme si on est suspendu. It's like we stop somewhere. Plus. Si on va toujours rester là à combattre ou à arrêter l'influence directe de la sorcellerie ou des œuvres des ténèbres sur notre vie. Influences directly by the deal of darkness. Quand est-ce que nous allons révéler la gloire de Christ qui est cachée en nous au monde? At which time will we reveal the glory of Christ? Quand est-ce que nous allons gagner les âmes qui ont les mêmes problèmes que nous prétendons traverser actuellement et qui attendent seulement notre révélation pour être délivrés? Est-ce que vous comprenez? Si c'est nous qui sommes toujours là, toujours genoux à terre et qui ne voulons pas nous lever and do not want to stand, et que le monde est là, la masse est là et nous attend. The et nous world, sommes enfermés. People et à l'intérieur, in the world are on n'est pas guéri. And we are closed à l'intérieur, inside. On n'est pas libre. Inside, à l'intérieur, les choses n'ont pas changé. Things have not changed inside us. Mais finalement, mais si ça va rester finally, comme ça, ça veut dire qu'on like that, est venu inutilement dans la maison. It means that we are useless in the house. On est venu inutilement pour remplir we les bancs, pour remplir les chaises. And we are useless into the si house. Ceux du monde ne peuvent pas compter if sur nous. People of world could not count on us and could not believe. Ne peut pas venir in us. Parce que nous traversons pire que. Because we are facing. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. And this is ça, not the n'est pas will of God. Tu as voulu. Non. It's not what the. C'est parce que nous n'avons pas compris. Ou parce que à la base nous n'avons pas bâti notre vie sur Jésus. It's because at the base we are not built our life. Quel sera le résultat que nous allons donner? What will be the result? Au Seigneur au dernier jour. Give to the Lord at the last day. Nous allons nous lever. Let's stand. Nous allons prendre conscience. We'll stand or we'll take. Mais il va toujours rester un manque. But there will miss something. Et ce manque là va toujours continuer à nous ruiner. And this miss. Il faut que les mentalités changent. Il faut the que les mentalités changent. Ça doit changer. It has to be changed. Ça là, ça doit changer. This. Ce qui t'arrive n'est pas la volonté de Dieu. What you are facing is not the will of God. Dieu n'est pas impliqué dans ça. God is not involved in it. Mais c'est parce que tu as négligé. It's because you neglect. Le plus important. The most important. Et que tu ne crois pas en ce que la parole de Dieu dit. What the word of God is saying. Beaucoup essaient de croire.
Many try to believe, mais ne croient pas en réalité. But they do not believe truly. Parce que s'ils croient en réalité, because if they believe truly, il y a certaines choses qu'ils ne doivent pas accepter dans leur vie. That they have not il y a certaines choses qu'ils life. Ne doivent pas proclamer. There are something, il y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas sortir de leur bouche. And they will not tell from their mouth. Et marchant dans cette mentalité, walking this way of thinking, ils vont commencer à voir les choses qui vont changer dans leur vie. They will see things that will start changing into their life. Recevez le renouvellement de receive l'intelligence. Ce n'est pas le renouvellement de l'intelligence. Prove a renewing of que vous pouvez discerner quelle est ma volonté. Discern what is my will. Qu'est-ce qui est bon? What is good? Qu'est-ce qui est agréable? What is sweet et ce qui to me? Est parfait? What is perfect? Mais si je n'ai pas le renouvellement de but l'intelligence, I don't have a renewing of my knowledge, je vais passer tout mon temps I will take all my time à chercher la volonté, to look for à chercher ce qui est bon, to look for what à is good, chercher ce qui est parfait, to look for ce what qui is agréable, perfect, to look for what is good, but I will not find it. Et je ne vais jamais trouver. I will not find it. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. But it's not what God wants. Lisez-moi 2 Timothée 2, read for 9, me 2 Timothy 2, verse 19 to 22. Je lis au nom de Jésus. Oui. Si donc quelqu'un se conserve pur, j'ai dit 2 Timothée 2, 19. Verset 19. Voilà, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Oui. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Alléluia. Il dit quoi? Il dit what? Néanmoins. Il a dit beaucoup de choses avant de dire néanmoins. Il said many things before saying nevertheless. Il a parlé de ces rebelles, about de ceux qui ont renversé, those who overthrown. La vie de certaines personnes qui n'étaient pas en réalité bâties. Who are not built. Quand il a fini son discours, when he finished his speech, il revient sur le vrai sujet. He come back on ce the que l'Église subject, doit connaître. What the church have to know. Et il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu the solid foundation reste debout God has left cannot be shaken. Avec ses paroles qui lui servent on de sceau. Written this word avec ses paroles qui lui like servent de sceau. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. My word. Les commandements servent un sceau. The commandment or the word is used like a seal. Et il dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. And the Lord et quiconque prononce le nom du Seigneur, call upon the name of the Lord, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Let him stay far away from sins or iniquity. Celui qui prononce le nom du Seigneur, he qu'il s'éloigne de quoi? Or call de upon the name of the Lord. Should stay far away voilà, from il a relevé iniquity. Encore quelque chose qui est très important. Talk about something which is very important. Le problème du mal. The problem le problème of de l'iniquité et du péché. The sins and the iniquity. Le problème du péché qui est au centre de tout cela. Sin, which is the center of all those sins. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Let him stay far away from sins. Celui qui prononce le nom du Seigneur. Who prononce. S'il ne s'éloigne pas de l'iniquité. From his mouth, le nom du Seigneur va manquer de puissance dans sa bouche. If he is le nom du Seigneur va manquer de pouvoir dans sa bouche. He va prononcer le nom du Seigneur comme tout le monde. Miss power mais le nom du Seigneur va manquer de puissance. The name of the Lord will miss power. Et en réalité, ce n'est pas le Seigneur qui manque de puissance. It's not like mais c'est le nom qui a été mal employé. Power, pas celui qui l'emploie. The name of the Lord has not been well called by the one who call it. Lisez-moi le verset, le livre de Matthieu 24, 35. Read for me the book of Matthew 24, verse 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il le rappelle toujours. Il remet. It always. Ce qui est durable, what will last, est ce qui est bâti sur le roc. What is built on a rock. Et le roc étant la pierre angulaire qui the est le Seigneur Jésus. Rock
as the rock is the stone, the cornerstone, qui which est aussi is the Lord Jesus, la parole which de is Dieu, the word of God, est ce qui doit is what have nous enseigner, to teach ce us, qui doit nous conduire, to lead us, puisque cette pierre because est this éternelle, stone is puisque ce eternal rocher est éternel. This rock puisque is cette parole eternal est éternelle, word is tout peut eternal disparaître, mais cette everything parole ne disparaîtra pas. Disappear, but the, donc celui qui est attaché à cette parole aussi ne disparaîtra pas. To this word will not disappear also. Celui qui est attaché à ce que dit he cette parole is binded to aussi what ne disparaîtra word pas. Say will not disappear. Quand la parole dit ne fais pas ça, when the word say, do not do this, et que tu t'entêtes à le faire, and you had your heart, tu perds le pouvoir de la parole. You lost parce que tu n'as pas obéi à la parole. You do not, tu n'as pas obéi à ce que la parole t'a dit. Obey to what the word has said. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous allons voir. That's what we are going to see. Après after la foi faith en cette parole in to this word, qui est la parole de Dieu, which is the word of God, et à ces enseignements, and to qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons maintenant faire quoi? To do, what have we to do? Renoncer, renounce, à ce que reject nous faisons et que la parole de Dieu a exercé. To do, and the word of God ce que nous faisions et que la parole de Dieu a interdit. What the word of God nous devons faire quoi? Nous devons renoncer à cela. We should renounce, sans le renoncement, nous ne pouvons jamais changer. Without renouncing our faith, sans le renoncement, nous ne pouvons jamais décoller. Without renouncing to those things, il we faut d'abord renoncer parce qu'on a reçu la parole. Because we received the word. Parce que la parole nous appelle à la séparation. It calls us to separate avec certaines choses. To do some things. Et par cette séparation, through this separation, nous commençons maintenant à obéir à la parole we de start Dieu. Obeying to the word of God. Nous avons cru en la parole, nous avons we reçu believe on the word, toutes les paroles, nous avons eu foi. The word. Mais we're après la faith foi, it, after faith, nous devons obéir we have to obey en renonçant by rejecting à ce qui est mauvais, to what is wrong, que nous faisons et que la parole we de Dieu are, we are doing, and the word of God nous a défendu de faire, prohibited us to do it. Et ce niveau at this level inclut aussi la repentance, it includes also repentance, qui est primordial pour chaque which croyant, is essential to each believers. Parce que si les choses ne changent pas, because if his things do not change, soit je n'ai pas compris, maybe I do not understand. Soit je suis toujours ignorant parce que le Seigneur maybe dit mon peuple I est détruit ignorant parce qu'il lui manque the word la connaissance. God say, my people is destroyed because of lack of knowledge. Mais aussi but also, peut-être j'ai pris le péché. Maybe I take sins. Et par le péché, je n'ai pas renoncé aux œuvres mortes qui sont dans ma vie. On et à cause de cela, things in my je life suis toujours au même point. And because of this, I'm in the same stage. Qu'est-ce que je dois faire? What have I to do? En me levant pour bâtir, by standing to je rebuild, dois d'abord enlever I should take ce off qui empêche l'accroissement. Take away that what is my barrier afin de grandir. Lisez-moi Matthieu 3, 8. Read for me Matthieu 3, verse 8. Matthieu 3, verset 8. Oui. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Ce fruit est produit après that will show that you have qu'on ait reçu la parole de Dieu. It happened when you received the word of God. Et ce fruit, nous devons produire cela tous les jours. Produce it daily. Nous devons produire ce fruit tous les jours lorsque each day nous sommes en faute. We are guilty of something. Mais si nous ne sommes pas en faute, but if you are not guilty of something, nous ne pouvons pas produire ce fruit. We could not produce parce que la repentance, c'est l'abandon repentance de ce qui est mauvais. Is to abandon what c'est le renoncement is to reject à ce qui est mauvais. To what is wrong. Donc si tu as vaincu ce qui est mauvais, if you overcome what is wrong, tu n'auras plus à renoncer à cela. You will tu not vas continuer. Have to reject it. You will tu vas continue continuer dans ton bâtiment. In your building. Tu vas continuer dans l'accroissement. In your growing. Et c'est ce que and that's what Néhémie a fait Néhémie a dans le chapitre 9 du livre de Néhémie. Of the book of Nehemiah. Nous allons prendre le livre de Néhémie 9. Let's read Nehemiah 9.
Néhémie chapitre 9, à partir du premier verset. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblaient, revêtus de sacs et couverts de poussière, pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentaient et confessaient leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart. Alléluia. Amen. En réalité, le geste qu'ils ont fait ici a un grand signe. What they have done here has an important meaning. Il dit tout le peuple s'est assemblé. All the world people. Et à la lecture de la loi, ils font quoi? And when they read the law, ils commencent à se repentir et à confesser leurs péchés. They start repenting and confessing. Parce que la loi a joué un rôle. Because the law, la loi est venue rappeler les offenses. It come to remind. Et parce que la loi a rappelé offenses, les offenses, on doit maintenant demander and because of this, we have à Dieu de nous pardonner pour ces offenses qu'on a faites. To forgive us for a sin. Et la lecture de la loi a permis the reading of the law à la repentance du grand nombre. Allow many to repent themselves. Et aujourd'hui, nous avons la loi and today spirituelle we have de law, Christ, spiritual law of Christ, qui est sa parole qui nous a laissé, which is the que nous word pouvons aussi lire par la that Bible, we could read through Bible, que nous avons. We have. Et cette loi nous enseigne law à renoncer à toutes sortes d'impiétés et à all demeurer dans la volonté de Dieu. And to dwell pour and nous, to notre the vie, will of God for afin life, de toujours rester so debout, we stand firm, pour ne pas tomber. So that we could not fall down. Cette loi, nous ne devons pas la perdre. This law, we should not lose it. La loi de la liberté, the law of freedom, qui vient détruire la loi de la condamnation en nous. Destroy the law of condemnation. La loi de la liberté, the law of n'est pas cette loi qui nous conduit à faire ce que nous voulons, to do what we want, à commettre le désordre que nous voulons. Mais c'est une loi en réalité qui nous libère that set us free de commettre le mal, to commit what is wrong, qui nous délivre and deliver us d'avoir la facilité d'aller vers le mal. To go easily into c'est the une loi way. Is the law qui nous rend libres quant au péché. When we, ça veut dire que nous ne sommes plus esclaves du and mal. Mean that we are not slaves nous ne sommes plus what esclaves is wrong. De l'iniquité. We are not slaves of iniquities. L'iniquité qui est la pratique du péché. Which is the practice nous ne sommes plus esclaves, sins. Mais nous sommes désormais we are not slaves, libres. But we are free. Beaucoup comprennent mal cela. Many understand et quoi que la liberté dont on est en train de parler, freedom, c'est la liberté qui nous pousse à faire, is à commettre le mal. Make us or, c'est la liberté wrong. Qui nous is donne le pouvoir de vaincre power to overcome et de ne pas être attaché au and mal. Not to be bound to what is wrong. Alléluia. Amen. Après cela, after this, si réellement nous avons compris if truly we understand, et nous sommes repentis selon la volonté de Dieu et selon les paroles du Seigneur qui nous a laissé, selon les paroles du Seigneur que nous avons entendues et qui sont venus nous expliquer and pourquoi nous devons nous repentir. Parce que c'est pour une why cause. We have to repent. Et c'est aussi pour it's quelque chose que nous devons nous repentir. It's for a c'est parce que nous avions fait quelque chose que nous it's devons nous repentir. We have done something that we si have nous to avons repent, fini de faire cela, to do those things, qu'est-ce que nous devons, qu'est-ce qui nous revient? Voilà, qu'est-ce qui nous revient? What come to us c'est un esprit libéré is a freed spirit. Et une âme délivrée. Delivered souls. Un esprit libéré de a la de la servitude of slave. Et une âme délivrée de la captivité. And captivity. Alléluia. Amen. Parce que le mal détruit the l'âme wrong, et souille l'esprit. Soul and defile the spirit. Et si nous avons compris cela, and if we understand et those que things, nous sommes mis devant Dieu pour and confesser we put ourselves nos péchés, before the Lord and qu'est-ce qu'il confess va faire? The sin, what he will do? Il va nous accorder maintenant he will give us un esprit qui sera libre, will, un esprit will be free, qui sera parfait, a freed spirit, a perfect spirit, et une âme a soul, qui sera libre également, which will be freed also.
Et là, nous ne serons plus sous la servitude. At this moment, we will not be under slavery. Nous devons tendre à ce qui est parfait. We should go into the direction to what is perfect. Sur les mêmes choses. And should not nous devons grandir. The same thing. Nous devons aspirer à ce qui est parfait. And we have to desire what is perfect. Nous devons aspirer à atteindre la perfection. We have to desire to reach perfection with God. Nous devons atteindre cette étape. We should reach this stage. Où vaincre le péché. Where overcoming ou combattre the le mal where fighting against ne sera plus forcément une lutte permanente. Is not a daily struggle. Non. No. Mais ce niveau spirituel this spiritual level, où le péché n'a plus aucune valeur, where sin have no values, n'a plus aucune domination, have no domination, où nous ne sommes plus redevables where we are not, à ses œuvres, we are nous devons not atteindre ce niveau-là. Under those deeds. Où nous ne sommes plus redevables au péché. And we ou redevables à la chair. And we are not under flesh. C'est-à-dire, domination. Nous ne devons plus au péché. Nous ne lui devons pas. Nous ne devons pas au péché. And we ou have, péché. And we have nothing with us. Je ne dois rien au mal pour commettre le mal. I have nothing. Je ne dois rien to have à l'iniquité. And to do something pour toujours demeurer dans l'iniquité. What is wrong? Same thing from sin. Celui à qui je dois, he to whom I owe something, et à qui je dois obéir, and to whom I c'est have Christ. To obey, is Christ. C'est Dieu lui-même. It's God himself. Donc c'est à lui que je dois tous les jours de ma vie. To him I owe all days of my life. Nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 3, 16 we read the first et 17 of et Psaume 68, le verset 21. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Lisez, car, le, oui. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Psaume 68, le verset 21. Psaume 68, verset 21. Et après, 68, tu vas me lire aussi Luc 18, verset 4. Psaume 68, verset 21. Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Et il a dit quelque chose avant cela. Lorsqu'on nous accable, l'Éternel nous délivre. Il faut rechercher ça. Béni soit le Seigneur chaque jour. Voilà. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu nous délivre. God delivers. Oui. Et oui, répète ce qui vient après. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. God is for us, God of deliverance. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. L'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. And the Lord. Ça, c'est une ferme conviction. Could guarantee us une from forte death. Conviction qu'on a. It is a firm conviction that we c'est have from the Lord. Dieu peut nous garantir God de cette mort. To save us il est le death. Dieu des délivrances. Cela voudrait dire qu'il est le Dieu de toutes sortes de délivrances. He is God of any kind of deliverance. Donc, nous sommes arrivés à un niveau we où nous avons la certitude a level that we have this certitude that que Dieu est dans notre affaire God is in our matters. Et que Dieu va nous délivrer. And God will deliver us. Parce que nous le connaissons. Because we know him. Parce que nous avons reçu sa parole. Because we receive his word. Parce que nous sommes bâtis sur lui. Because we are built on him. Parce que nous avons obéi à ce qu'il because nous a demandé de faire. To do. Et nous croyons qu'il and peut nous garantir la mort. C'était la même conviction, death, la même foi qui animait Shadrach, Meshach et Abednego lorsqu'ils ont été jetés dans la, avant Shadrach, même qu'ils ne soient jetés dans la fournaise. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils disaient au roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, d'abord il dit, nous savons que notre Dieu first they say, nous délivrera de ta main. Our God will deliver et s'il ne nous délivre pas aussi, nous ne fléchirons pas genoux not, devant ton Dieu. Not your God. Nous savons, nous avons la foi we have this qui nous délivrera. Parce que nous savons us. La relation que nous avons because avec lui jusqu'à ce moment, jusqu'à ce niveau. With him. Donc, si nous cherchons une délivrance, if we look pendant que nous sommes en alliance avec Dieu, when we are pendant que nous sommes en alliance avec God, Christ, si nous Christ, cherchons la délivrance, if we look for a deliverance, il faut que réellement nous soyons we, truly, et que nous respectons les clauses de cette alliance-là. Respect
thing of this. Et je vais encore covenant. Vous notifier quelque chose. And I want to tell you something. Dieu aura une certaine facilité. God will have Christ some facility. Aura une facilité. God will be at his ease. Mais je vais mieux utiliser Dieu à ce niveau. Dieu aura une facilité de délivrer un non-croyant. It will be easy for God to du mal, a believer de from délivrer wrong un païen du mal, même s'il ne l'appelle pas, même s'il ne l'invoque pas. Situation, even if he doesn't call qu'un upon him, croyant qui connaît ses lois, than a believer qui connaît ses règles, his law qui connaît rules, ses paroles, and his word, et qui a fait confession, profession de suivre et de marcher selon ses paroles, mais qui ne le fait pas. And to work with his word, but he's not doing it. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? La grâce est là. Dieu the va nous délivrer. God will la deliver grâce us. Est là. Mais le minimum de reconnaissance the minimum envers cette grâce qui nous a été donnée gratuitement, toward this il faut grace que that nous, been given to la freely, nous le manifestons. We have to manifest it. Le minimum, le peu. Pour que Dieu même sache the que one, so oui, that God could understand mes enfants, that, yes, my ils children, connaissent ma parole, they ils know connaissent my mes word. Lois. They know my et ils connaissent l'alliance qu'ils ont tissée avec moi. L'alliance with me. De la croix. The covenant et cette alliance est une alliance qui vous demande de renoncer à toutes sortes d'impiétés. To stay de far renoncer away aux œuvres mortes. To the dead à ce que things, nous faisions qui n'était pas bien. What we were doing and is wrong. Si je continuais, je sacrifiais des idoles. If I sacrifice, je sacrifiais des choses aux idoles, idols, des animaux, des bœufs. Or gold. Je sacrifiais ces choses aux idoles. Lorsque je suis venu en Jésus, je dois arrêter cela. Si je veux être libéré de ces idoles-là, parce que je suis dans une nouvelle alliance. Et je dois briser l'ancienne alliance. L'alliance de la mort. L'alliance de la condamnation. Je dois briser cette alliance. Mais si je garde les choses de cette alliance et que je viens dans une nouvelle alliance avec les mêmes choses, je n'aurai jamais la délivrance. Et ce ne sera pas la faute de Dieu, ce ne sera pas l'erreur de Dieu, mais ce sera moi, ma propre faute. Ça sera ma propre erreur. Donc Dieu veut que nous puissions comprendre aussi cela. Nous puissions comprendre cela. Nous puissions maîtriser cela. Et savoir qui va nous libérer? And know that he will free us. Parce que nous avons aussi cette conviction. Because we have nous avons this cette confidence, force. This strength. Mais celui qui a trahi l'alliance and spirituellement, he betrayed le trait de l'alliance, covenant spiritually, lorsqu'il est dans une condition ou une situation où il doit invoquer son Père, invoquer Dieu pour sa délivrance, God for his deliverance, il aura de retenue. He will il aura peur. Be. Parce qu'il a trahi trouble, l'alliance. Il est infidèle. He's not faithful. Il est infidèle à ce qui a été dit au as départ. Not faithful il n'a pas respecté les clauses. Il n'a pas respecté les normes. Il a été un serviteur infidèle. Pour s'approcher de son maître, il aura peur. If he want to go close to his pour master, demander, he il aura peur. Pour espérer, he fear, il aura hope, peur. He will fear. Pour croire même que believe, Dieu peut lui faire quelque chose, il aura peur. God et tout ça se travaille dans l'état de conscience, dans la conscience que Dieu vous a donnée. Donc, si vous voulez réellement que tout ce que vous demandez dans la prière if pour être délivré soit exaucé, il faut aussi que votre conscience soit un avec Dieu, votre conscience soit pure aussi devant Dieu. Ça, c'est très important. Parce que parfois, ce n'est même pas Dieu because qui bloque les choses, mais c'est notre propre conscience God qui bloque les choses. Who blocks parce que ta conscience te condamne. Your mind. Parce que your la conscience mind condamne you est le témoin lorsque tu commettais l'acte. Et Dieu aussi est le témoin. Your bad way donc la conscience qui est là joue le rôle de Dieu lorsque mind with the tu commets quelque chose qui n'est pas God bien. When you et lorsque tu vas vouloir t'approcher, cette conscience va te rappeler him, et va te prouver que ce que tu es en train de demander n'atteint même pas le seuil de ton toit. Et que cela n'arrive même pas vers Dieu pour être répondu, pour être exaucé. C'est à toi de savoir you have to know que ma conscience doit être restaurée envers Dieu. Ma conscience doit être purifiée envers Dieu. Before et c'est God pourquoi Jésus nous a laissé God sa parole. That's why et ce n'est pas sa parole que nous pouvons word changer notre conscience, and notre état d'esprit, recevoir un esprit totalement libre, a new un esprit totalement régénéré, un esprit totalement purifié a clean spirit pour être totalement libre.
to be totally free. Nous ne voulons plus que les choses demeurent une théorie dans l'église. We do not want things. Nous ne voulons plus que les choses demeurent comme une théorie dans la like dans les cœurs. Theory comme une leçon à apprendre. A letters in the hearts non, mais nous voulons que les choses deviennent comme une passion. As a lesson to learn. Nous voulons que l'obéissance à la parole de Dieu soit une passion. Obedience pour word un, God, un réveil spirituel bien bâti. For a good il faut que l'obéissance revival, à la parole de well Dieu built, the obedience soit to the une word passion. Of God should be a passion. Et non une théorie qu'on not maîtrise à la lettre. That we master. Tu vas maîtriser la théorie. You could master tu vas maîtriser theory. Tous les versets. You tu vas maîtriser toutes les règles, Bible, toutes les normes, rules, tu vas maîtriser tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu God ne veut pas. Want, mais lorsque tu n'es pas en mesure de faire et de ne pas faire, tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Et là, tu seras bloqué par ta conscience. And then you will have blockage et c'est là que plusieurs commencent à accuser les démons. Accusing demons. Ça aussi, je veux que vous le compreniez aujourd'hui. I want you to understand this today. Tu es le seul responsable de ton acte que tu as posé. You are only the responsible. Tu es le seul responsable you are committed. De ce que tu as fait. Of what you have done. Premièrement, même oublie le démon. Firstly, si tu veux changer, si tu veux grandir, if you want to grow, si tu veux passer à une nouvelle étape, mets le démon à côté. Another level. Parce que beaucoup se mettent sur ce niveau-là, many, sur cette mentalité. Many et ils disent, this mentality, c'est les démons qui m'oppressent, c'est les attaques. They are oppressed c'est pourquoi by je demons. Ne change pas de vie. They are attacked c'est pourquoi by je ne demons. Peux pas changer. That's why et finalement, I'm not able comme to c'est les démons, life. Je suis devenu pécheur, finally, je suis livré aux démons. Là, tu iras en enfer. Demon, si un démon a le pouvoir de te conduire dans le péché, you will go into hell. Tu es voué à l'enfer. Lead you to sin. Parce que les démons n'ont plus le pouvoir sur nous. To hell, because demons have no power. Parce que c'est Jésus qui nous donne l'assurance. Who give us assurance? Mais si dans ton péché, tu finalement sin, tu commences à dire, start saying, mais c'est les esprits méchants. It's wicked c'est spirit. Les esprits de réclamation. It's c'est les esprits de famille. Spirit, et que tu n'arrives pas à comprendre que toi-même tu as un problème que tu dois résoudre you have a problem that you en invoquant Dieu, en implorant la grâce de Dieu, en te répondant. By repenting et yourself, en enlevant cette mentalité qui te retient toujours là où tu es. That maintain you where you are. Tu vas faire 5 ans, 10 ans, you 20 make ans, 30 years, ans, 50 ans even et 10, tu ne changeras 20, jamais. Even 50, you will never change. Je vous dis la vérité. I'm telling you parce true. Que tu vas mettre le temps sur les démons. Because you will take all your time et le diable on sera demons, là, il sera en train de se the devil moquer will de be toi. Mocking you. Le diable va dire, mais lui, ce he chrétien, you, il est ignorant. He's ignorant. Donc il met le temps sur moi. Il let me be guilty finalement, tu vas croire que sin. Dieu te fera grâce finally, parce que ce n'est pas toi, God will mais que give c'est you les démons qui te combattent. Because of demons c'est à la who fin you. Que tu vas comprendre but que toutes end, les fautes que tu as faites en réalité étaient toi-même. It's because of yourself. C'était toi-même. It's because of yourself. Et pour être libéré, tu dois and comprendre. To be freed, you have to understand spirituellement, that. Tu dois comprendre you have to que tout that, ce que je fais that everything de mal, doing de mauvais, as wrong. Même si un démon even l'a conditionné, demon, même si un démon m'a poussé à le faire, je suis le seul coupable it, et je suis le seul responsable de mes actes. You are the only responsible of what you et pour résoudre ce problème, je dois d'abord croire à ça. Je dois d'abord croire que je suis le responsable. C'est moi le responsable. Of what I've done. Je n'arrive pas à quitter l'impudicité. I'm not capable to come out of impudicity. Je n'arrive pas à quitter l'impudicité parce que j'ai certaines relations because que je n'ai pas I encore brisées. Some relation that est-ce que là, broken. C'est un démon qui m'a fait pécher? C'est le péché du corps. Est-ce que c'est un démon qui m'a forcément poussé à pécher? Is it a demon who pushed me to sins? Cette mentalité où on met tout le temps sur les démons et on se retranche pour être comme un saint et continuer dans le mal like et à bannir aujourd'hui dans les pensées. Wrong, tu devais bannir tout cela. Your tu devais sortir tout cela. Les démons oppressent, oui. Demon les démons combattent, oppressed. Oui. Les démons demon vont te pousser à pécher, oui.
Yes. Mais sache que quand tu le that fais, push your sins. Le démon yes. n'est coupable de rien. Demon lui, il a sa condamnation. Lui, il a sa culpabilité. Lui, il est déjà condamné. Depuis le péché de Lucifer au ciel, lui il est chassé du ciel. Lui il est déjà condamné. Le diable lui il est déjà jugé. The devil has been et toi, si tu fais comme lui, tu seras aussi jugé. Mais si devant l'acte de condamnation, l'acte de jugement, tu commences à accuser le diable, tu seras étonné. Parce que le diable lui il a déjà son sort. Donc ce n'est pas parce que tu mets toute la faute sur le diable. Que but demain, you put the guilty on on va t'accepter du jugement, on va t'enlever, on va te dire you will be ce n'est pas sa faute, mais en réalité, c'était la faute des démons. It's not your fault, it's quand c'est comme ça, demon. Tu ne vas jamais recevoir you la délivrance. Tu ne seras jamais délivré. Et toi-même, à l'intérieur, tu n'auras pas cette force you pour yourself, être délivré. Cette conviction va manquer. Cette foi pour être délivré va manquer. Et parce que cette foi manque, tu ne seras jamais délivré. Parce que cette conviction manque. Parce que devant Dieu, tu sens que tu n'es pas pur, tu sens que tu n'es pas vrai, tu sens que tu es toujours dans l'hypocrisie, tu sens que tu n'es pas parfait, tu sens qu'il te manque quelque chose, tu ne seras jamais délivré. Ça, c'est sous l'état de la conscience, sous notre intelligence, sous notre esprit. Mais tu dois aussi savoir ceci. But you have also que Dieu a garanti la délivrance. You have to know this, mais pour que tu sois réellement God délivré, il faut que tu bannisses cela. If you want to be delivered, you have to banish those things. Dans ta conscience, tu sois toujours libre. In your mind, you should be free. Tu sois toujours pur. You should be dis poor. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Happiness to those who have ils verront heart, because they will Dieu. See God. Ils verront Dieu. Ce n'est pas au ciel. It's not in heaven. Ce n'est pas forcément au ciel. It's not in heaven. C'est aussi ça. It's mais like ici. This. But ils verront Dieu, ils verront les merveilles de Dieu. They will see God. Ils verront they la will puissance see de Dieu. Ils verront la délivrance de Dieu. They will see the ils deliverance peuvent s'approcher of God. De Dieu. They will go close to God. Ils peuvent recevoir de Dieu. They could receive parce from qu'ils God. Ont le même cœur que Dieu they have lui-même. The same heart, like, the same heart with God himself. Alléluia. Amen. Le renouvellement de ton intelligence the est important pour ta délivrance. Your knowledge is very important to your deliverance. Et le Saint-Esprit t'a donné and ça. The Holy Spirit has given to you. Et c'est dans la parole. And it's in the word. Le renouvellement de l'intelligence dont tu as besoin. Renewing. Ce n'est pas lorsque tu as prié, tu as dit Saint-Esprit. It's not when you pray renouvelle and say, Holy Spirit, renew mon esprit. My change-moi. Mind. Seulement que tu me. Vas l'obtenir, non. That you will obtain it. Écoutez très bien. Hear well. Quand tu le fais, le Saint-Esprit va te toucher. When you do it, the Holy Spirit will mais touch si tu you, n'as aucune semence du Saint-Esprit but en if toi, you have no seed of Holy Spirit comment est-ce you, que tu seras renouvelé? How can you be parce que le Saint-Esprit a sa semence, qui the est la Holy parole. Has his seed, which is his word. Mais toi, tu pries seulement, tu dis Saint-Esprit, renouvelle-moi. Saint-Esprit, transforme-moi. Saint-Esprit, fais-moi ceci. Me. Mais le Saint-Esprit te dit, do moi, j'ai déjà tout fait. Et the je t'ai donné. Say, done c'est lorsque tu vas everything. Prendre la semence, tu it's vas planter et que moi je vais arroser. And you et la semence va germer, va grandir. I will water it. Mais lorsque and tu ne te sers pas de la semence grow up. Et que tu veux que j'arrose, je vais arroser quelque part. Et tu veux que j'arrose. Le Saint-Esprit va arroser un cœur vide. Un cœur qui n'a pas la semence de Dieu. Un cœur qui n'a aucune parole de Dieu. Un cœur qui ne comprend rien de Dieu. Est-ce que ça peut produire quelque chose? Could it produce something? Pour avoir un arbre. To have a tree. Et pour porter des fruits. Il faut quoi? It bear fruit. Il faut de la semence, there should be il faut la bonne saison, il faut it la bonne terre, season, il faut aussi land. L'alimentation, ce qui va arroser la semence. Be what n'est-ce pas? Water the seed. Si tu as l'eau, if you are tu water, as la bonne saison, you have tu as la good bonne seed, terre, you have et que tu n'as pas la semence, but you don't have seed. Est-ce que tu as quelque chose? Do you have something? C'est comme ça plusieurs se comportent. This matter, ils veulent connaître behave. Dieu. They want ils to veulent know recevoir God. Le renouvellement de l'intelligence. They want to have ils veulent être transformés dans leur intelligence. They want ils to veulent connaître Jésus d'une knowledge. Autre manière. They want to know Jesus at a, ils sont là à pleurer, another level of matter. À crier, they are weeping. Seigneur, they are there je veux weeping. Te connaître. Lord, Seigneur, I want to know you. Connaître ta Lord, parole. Let me know your word. Mais la parole est là. But the word is there. Prends la parole et lis-la. Word. Et demande maintenant au Saint-Esprit d'arroser la parole que tu as lue. Et tu what verras read, que tu as réellement reçu la parole et que le Saint-Esprit t'a aidé.
the word and the Holy Spirit has donc le Saint-Esprit prend ce que Holy tu as Spirit, take what you have dans sa parole in his word, qu'il change and he qu'il changes, perfectionne and he qu'il transforme it, he transform it, pour t'édifier spirituellement to build you spiritually talking. Tout ça contribue pour que ta vie soit réellement bâtie spirituellement. So pour que les murailles de ta vie soient bâties spirituellement selon la volonté de Dieu. Sinon, si tu ne comprends pas ces choses, tu vas toujours être dans les mêmes erreurs. Nous allons finir. Nous allons tout faire. Mais tu seras toujours là. Mais quand tu comprends ces choses, tu vas voir que ta vie spirituelle va changer. C'est parce que tu passes assez de temps à prier et tu laisses and you let down. Le temps que tu dois passer avec la parole de Dieu. The time that you have to pass with the word of God. Et que tu ne comprends pas en réalité. And you understand pourquoi not. Pourquoi tu passes de temps à prier? Why tu es you toujours pass dans la présence de Dieu? Two tu times es toujours là à pray, parler avec Dieu. You are presence et que of les God choses ne changent pas. God and things ce n'est pas ça. It's not this. Tu passes assez de temps dans la prière. You take yes. Mais tu passes l'équivalent aussi. But dans la discussion avec Dieu, dans sa parole. Into discussion through his word c'est with ça en God. Réalité. It, this la is prière seule ne règle pas les choses. The only prayer do not resolve things. La prière seule ne règle pas les choses. Only prayer. La prière will not resolve things. Mais la parole est l'âme la plus puissante. The word is c'est lorsque the more powerful la weapon. Alléluia. Amen. C'est lorsque la prière est bâtie et sur la parole de Dieu qu'on a reçue qu'on remporte la victoire. That you receive, that you overcome victory. Donc désormais là, la régénération de l'esprit also, dont vous parle ici, the regeneration of the spirit that we talk tout le temps, about it here, ce n'est pas all time, une régénération qui s'obtient seulement par la prière. Regeneration that comes où tu vas prier, praying, tu vas passer des jours de jeûne dans la prière you will pass pour recevoir. Many non. Time of fasting to receive. Tu pries. You pray yet, mais tu prends la parole. But you take also the tu word, la médites. And you think about it. Tu prends la parole you et tu essaies de comprendre ce qui est écrit. To tu prends la parole et tu demandes au Saint-Esprit you qu'est-ce que tu dis ici? Qu'est-ce que je dois faire ici? What Seigneur, qu'est-ce que je dois comprendre ici? Seigneur, explique-moi. Et c'est là God, que le Saint-Esprit va commencer son œuvre. Moment, mais si tu ne mets pas le Saint-Esprit but if you don't à son rôle, put the Holy Spirit il va rester role, là, il va te regarder. He will stay there, looking at you. Parce que le rôle de la parole est différent du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. On the role of Holy Spirit, la parole the est la semence. The mais le Saint-Esprit vient by the Holy Spirit pour faire grandir la semence. To make the seed grow up. Donc si tu n'as pas la semence, if you don't have the seed, le Saint-Esprit ne te servira Holy de rien. The Holy Spirit will serve you to nothing. Et si tu as la semence, but if you et have que tu n'as pas le Saint-Esprit, and you do not have the Holy Spirit, tu auras les paroles, you have the word, qui seront les lettres, which will be letters, mais qui ne seront pas l'esprit. But will not be spirit. Tu vas te forcer pour te sanctifier, to sanctify tu vas te forcer pour travailler, tu vas te forcer pour être dans la volonté de Dieu, the will of God, mais ce sera un salut par la force, ce sera une sanctification par la force, ce sera un renoncement par la force, ce sera une lutte de tous les temps, une lutte de tous les jours, et tu ne vas jamais arriver jusqu'au bout. Each day, mais lorsque la prière est là un peu, but le Saint-Esprit the prayer aussi est là is un there, peu. And the Holy Spirit et qu'on ajoute there, les deux, on ajoute les deux. And we add both. Ça crée it creates le renouvellement de l'intelligence, la régénération, la transformation. The regeneration, the transformation. C'est comme un nouveau-né, un bébé. It's like a newborn, et on lui a donne baby. Seulement le lait. And we, you on lui donne tous les matins, on lui donne le lait. Tous les matins, il va grandir, mais il sera chétif. It will grow, n'est-ce pas? He will not tous les matins, on lui donne le lait. Quand il atteint l'âge like de 2 ans, on lui donne le lait. 4 ans, le sein maternel. 6 ans, le lait maternel. 8 ans, le lait maternel. 12 ans, le lait maternel. 15 ans, le lait maternel. 20 ans, le lait maternel. Il va mourir finalement. Mais est-ce que le lait maternel est mauvais? Est mauvais plutôt. Est-ce que le lait maternel est mauvais? Le lait maternel est une bonne chose. Et ça permet à la croissance. It's a good et de cette thing. Même manière it que le Saint-Esprit, aussi, la parole de Dieu est une bonne chose. Et permet manner, à la croissance du croyant. Mais si chaque fois, tout le temps, il se sert seulement à lire it et qu'il n'a pas le Saint-Esprit read, qui va amener cette parole à grandir en lui, à entrer dans les secteurs de sa vie, dans les différents secteurs de sa vie, pour transformer, impacter sa vie. Part of his life, il va avoir la parole
mais il sera toujours naïf sur cette réalité. Filled of word, but voilà pourquoi aujourd'hui, nous avons la parole qui est la lettre qui est déjà inscrite. Mais le Saint-Esprit qui nous conduit dans de nouvelles révélations concernant le Seigneur Jésus, dans de nouvelles révélations selon les réalités de notre temps actuel, des nouvelles révélations selon les réalités que le Saint-Esprit veut nous faire comprendre. Want us to pour le salut de notre âme. For the salvation of our soul. Donc le Saint-Esprit, the Holy Spirit, ici est comme he le grand frère, like le grand enseignant, the grand brother, qui vient the maintenant brother, the pour nous expliquer we come here en profondeur la parole de Dieu selon le niveau que nous avons atteint. The level that we reach. Le Saint-Esprit the Holy Spirit est ce pédagogue is this qui prend la même parole de Dieu que nous avons reçue lorsque nous avons un an when we are 1 year old, et qui la change lorsque nous avons 4 ans. When we are 4 years old, qui la change lorsque nous avons 7 ans. And change when we are 7 et qui l'adapte à notre besoin spirituel and lorsque nous avons 15 ans, 6, 16 our, ans. Lorsque nous avons 30 ans spirituellement, est-ce que vous comprenez? Et c'est tout ça qui contribue au vrai renouvellement de l'intelligence. Chaque jour, l'intelligence est renouvelée. L'intelligence est renouvelée pour atteindre quoi? La perfection. Pour atteindre l'état parfait de Jésus-Christ. Parce que c'est le but. Sans ça, tu ne peux pas atteindre l'état parfait de Christ. Without this, you cannot reach the perfect state of Christ. Lisez-moi 1 Pierre 1, verset 3. Read for me 1 Peter 1, verse 3. 1 Peter 1, verse 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une oui. espérance vivante oui. par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Oui. Il nous a régénérés par une espérance vivante par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Lisez-moi aussi 1 Corinthiens 2:13. 1 Corinthiens 2, le verset 13. Christ est-il divisé? 1 Corinthiens 2, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ceux concernant l'esprit, employant un langage spirituel Alléluia. Pour les choses spirituelles. Employant un langage spirituel, using spiritual pour les choses language, spirituelles. Spiritual relis-moi le verset. Et nous en parlons quoi? Read et, again the verse for et me. Nous en parlons, non avec des discours, non avec des discours. We talk on it, not qu'enseigne la sagesse humaine, oui, with speech, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel. Un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Pour les choses spirituelles. Vous devez commencer à employer un langage spirituel. You should start using a un spiritual langage spirituel language pour les choses spirituelles. For spiritual matters. C'est lorsqu'on atteint le vrai renouvellement de l'intelligence. When you reach dans les faits. The true. Dans la pratique, dans fact, l'expérience in qu'on a vécu, qu'on peut employer un langage spirituel. Parce qu'on est un homme expérimenté. Job pouvait dire, j'ai entendu parler de toi, mais you, aujourd'hui, today, mes yeux t'ont vu. My eyes quand tes yeux ont vu, when your eyes c'est totalement différent Lord, de quand tes oreilles ont entendu. When your ears quand tes yeux ont vu, tu ne commettras plus jamais d'erreur. Mais lorsque tes oreilles ont entendu, tu peux commettre d'erreur. Mais lorsque tes yeux ont vu, tu as l'expérience avec Christ. Tu as l'expérience de Christ. C'est ce que l'apôtre Paul a expérimenté. C'est ce qui a changé toute sa vie, tout le ministère qu'il a fait. Il a vu Christ ce par la révélation. Il a vu par une vision. Et à partir de là, il a été touché, il a été transformé, il a été renouvelé totalement. Donc si réellement tu vois Christ, si réellement tu contemples Christ, and you il changera tout dans Christ ta vie. He will change everything et in your life. Il t'amènera and will bring you d'une étape à une autre. From a state d'une autre to a state, à une nouvelle. Et d'une to nouvelle a level à une étape a finale. Tu vas and prendre, to the tu vas braver toutes les étapes sans la force de la chair. Mais tu vas braver les étapes without la force of flesh, que donne le Saint-Esprit. The strength that est-ce que Némi, Esdra et leurs frères ont bâti les murailles de la ville par leur force city, by their own strength. No. Est-ce qu'ils n'ont pas eu des oppositions?
have not they have opposition. Il y avait des opposants. There are some who were not who disagreed with them. Tobija était là. Arab were there. Il bâtit Shalomar. Laisse les bâtir. Let them build. Shalomar, pourquoi toi tu Tobija? Pourquoi toi tu te t'aimais même? Pourquoi toi tu pleures? Why are laisse you les bâtir. Et lorsque Renard se lance, la maison, even les murailles vont s'écrouler. Come, c'est comme the ça, dit, wall dit, will laisse fall le down. Bâti, laisse le sable, let them laisse build. Le... It will not last. Et seulement un clin d'œil, un coup d'œil seulement, et on va détruire tout. It will not last. C'est parce they que will destroy all. L'ennemi voit et croit qu'il peut. The enemy thinks et aussi parce que l'ennemi avait déjà expérimenté the enemies have experienced sa domination qu'il avait sur toi. His une première fois. Et il ne sait once. Pas que les temps ont changé. Il ne sait pas qu'à partir de maintenant, tu n'es plus he la même personne. Now, person. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus la même from personne. Today, tu sortiras person. D'ici avec you une mentalité renouvelée. With avec une intelligence renouvelée. Master. Tu sortiras d'ici avec une puissance de Dieu with a power pour of combattre God. Les œuvres des ténèbres. To fight tu ne seras plus seulement combattre darkness. Même. Pour éteindre le vindicatif de l'ennemi. To quench the pour dire non à l'ennemi. Enemy, to say no to c'est enemies. Toi qui dois donner d'ordre à Satan. You ce n'est pas lui. Order to Satan, not c'est you. Ce que Shambhala et Tobija croyaient. That's what Tobija fought. Shambhala voyait la réalité. Il dit, Shambhala est-ce que nous allons les laisser dire non? L'ennemi dit non, laisse-le. Parce qu'il croit que tu es toujours faible. Il croit que tu es toujours à la même étape. Weak. Il croit que tu as toujours les mêmes armes que tu avais utilisées. Il croit que tu es toujours avec les armes de l'ignorance. With il croit que tu es toujours tools. Un ignorant spirituel. He think that you are mais lorsqu'il reviendra, talking, but we, parce qu'il ne s'est pas préparé, because parce qu'il croit himself. Que tu es toujours petit. That you are small. Et lui s'est arrêté à son niveau. And he stayed mais toi, at tu his t'es level. Déjà renouvelé avec de nouvelles yet, âmes. Lorsqu'il va approcher, tools, il suffit seulement un coup d'œil you, et il sera à terre. He, et c'est ce que David a fait avec Goliath. That's what David Goliath croyait que David était un enfant. Goliath croyait que David était un petit enfant. Smallest son. Mais lorsqu'il s'est approché, when David lui a montré combien de fois il est plus grand, il est plus costaud, il est plus armé than him. Que Goliath. Et il lui a prouvé que he les armes pour le combat ne sont pas Chanel. Tools et que les armes sont spirituelles. Him is et quand nous parlons des armes pour le combat, channel, nous ne parlons pas seulement de l'épée, de l'esprit, de la cuirasse, de la justice, fight, de la ceinture de vérité, des chaussures pour le zèle de l'évangile, ou du bouclier, de la foi ou du casque du salut. Mais nous parlons aussi des choses qui vont contribuer à bâtir les murailles de ta vie. Et lorsque les murailles de ta vie sont bâties, l'ennemi viendra et il va tout faire. Il ne pourra pas entrer dans la maison. Il ne pourra pas entrer dans la ville. Et si les murailles de chaque vie, les murailles de chaque chrétien sont bâties, is built, l'église qui est la ville ne built. Sera plus jamais infiltrée par le monde, ne sera plus be. Jamais infiltrée par les étrangers. Le mercenaire viendra, mais il trouvera les enfants de Dieu unis. The stranger will come, but will là find que nous allons God atteindre united. At this moment, l'unité come to de la foi. A unity of faith. De la foi. Unity of faith. Des chrétiens Christians, qui n'ont pas la même mentalité que des hommes simples. That have not the same mentality with the merely des chrétiens men. Qui gardent le témoignage de Christ. And they keep with them. Des chrétiens qui ont le témoignage de Christ. Et qui s'approprient le témoignage de Christ. And take to themselves the testimony of Christ. Le témoignage de Jésus. The testimony of Jesus Christ. C'est en eux. Is within them. Ils vivent ce témoignage. And they live this ils testimony. Gardent ce témoignage. And they keep this testimony. Et ils ressemblent tellement à Jésus-Christ. And they par le témoignage like de Jésus Jesus qu'ils ont reçu. Through the testimony of Jesus parce qu'ils se sont habitués avec sa parole. Habit. Et finalement, ils with deviennent the, la même chose word. Avec Jésus. And the same, they become the same comme thing lui-même, with Jesus Christ. Sa parole dit, celui as qui s'attache au Seigneur est avec lui himself, un seul esprit. The Lord is with him, dans 1 Corinthiens 6, 17. Celui qui s'attache Corinthians, au Seigneur est he avec lui un seul esprit. Lord, et si tu same es avec le Seigneur un seul esprit, if you are same with the love of the Spirit, la vie de Christ, c'est the life of Christ is with you. Les guérisons que Christ a opérées, healing that
the Lord opère. C'est moi qui les ai opérés. It's him who opère. La puissance qui incarnait Jésus-Christ. J'ai aussi cette puissance en moi. La vie que Jésus a menée sur la terre. J'ai aussi cette vie qui habite en moi. Into life. Et c'est pourquoi si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Et je dois démontrer maintenant cette vie de Christ qui habite en moi. Quand j'ai tout cela, lors de la démonstration, ce ne sera plus facile. Parce que je n'ai plus besoin de quoi démontrer à quelqu'un. C'est inné et c'est en moi. Et je marche par l'Esprit de Dieu et par le renouvellement de l'intelligence. Par ce renouvellement de l'intelligence, la sanctification sera très facile. Sanctification will be parce que la sanctification, se fait lorsqu'on comprend en réalité l'œuvre de Jésus. Understand the deed of Jesus Christ. Si tu ne comprends pas l'œuvre de Jésus, you do not understand the deed of Jesus Christ, tu vas te sanctifier par la force. You will sanctify yourself by tu vas te sanctifier flesh, par la chair. By strength. Parce qu'il y a une sanctification. Because there is a sanctification qui se fait par la force de l'homme même, qui n'est pas la sanctification de Christ. The strength of man, mais lorsque tu comprends cela, que ton intelligence a été renouvelée, tu vas te sanctifier selon la volonté de Dieu, selon que Dieu lui-même le veut pour ta vie. Et tu vas voir que la sanctification sera facile. And the tellement facile, easy, parce qu'il y a cette loi là qui te suit, cette loi qui t'accompagne, cet esprit là qui te dit de faire ceci, de faire cela, de marcher ainsi, de marcher vers le but. Et tu n'auras plus peur de quoi faire. Tu n'auras plus peur you de te sanctifier. To sanctify yourself. Si les murailles de chaque if chrétien the wall of each Christian sont bien bâties, are well built, l'église, the church, qui est la ville, which is the city, sera bien bâtie. Will be well built also. Si ces choses if those things sont réglées dans l'église resolved into the church, et que les chrétiens and Christians ont une nouvelle mentalité, have a new mentality, l'unité d'esprit va s'installer. The unity of the spirit will settle down. Lorsqu'on parle d'unité d'esprit, lorsqu'on a les mêmes we pensées, talk about unity lorsqu'on of spirit, a les mêmes we have objectifs, the same thought, the same target. Mais si pendant que nous nous cherchons à atteindre la perfection, we are looking to reach si pendant the que certains membres cherchent à atteindre la perfection, il y a des membres au milieu du corps, des there membres parmi nous, others, among us, qui ne veulent pas atteindre la perfection, do not want to reach perfection et qui veulent toujours marcher en arrière, want to walk, l'église aura toujours un même problème. At back, the il y aura certaines murailles qui seront bien bâties, there are bien some élevées, will be well mais il y aura built, des brèches. But there will be des brèches. Open doors. Et lorsqu'il y a des brèches, and where there il y a are aussi doors, les yeux de l'ennemi qui voient. Eyes of et pas les brèches, l'ennemi peut entrer. And through this, the donc enemy chacun could doit enter. Tout faire pour ne pas être ou pour ne plus être une occasion de chute an occasion pour of falling down to the church. Pour ne plus être une occasion de chute pour l'église. To do not be an occasion of falling faire. Down. Et tu vas demander au Seigneur do your best de te donner la force the Lord, pour que tu ne sois pas une occasion strength, de chute so pour l'église. An occasion of falling down to the church. Lorsque chacun travaille pour when que les murs soient bâtis, walls, so that the si toi tu travailles be built, if you work pour détruire les murs, to destroy the walls, alors tu ne travailles pas pour la bonne marche de l'église. Working tu ne travailles pas pour la bonne cause de l'église. Of the church. Tu deviens un mercenaire dans la bergerie. You tu deviens un infiltré spirituel. An opponent to the church. Et on va te chasser de l'église. You will be chased out from church. On va te dire out. We on va te sortir. Out. On ne va même pas faire de bruit. No parce que tu ne travailles that. Pas pour le bien-être de l'église. You are not working tu for travailles the pour la destruction de l'église. For the church. You are working for the destruction of church. Et celui qui va te faire sortir, he that will bring you out, c'est le chef de famille. Is the chief, c'est le chef de l'église. Of the family. C'est the le maître de l'église of lui-même. The family. The master himself. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Gloire à Jésus. Glory to Jesus. Qui comprend quelque chose? Who understands something? Acclame le Seigneur Jésus. So acclaim the Lord Jesus. Si tu as compris quelque chose. If you understand something. Alléluia. Le temps est parti. Time passes. Sinon, nous avons encore quelque chose à ajouter. Otherwise, we have something to add. Mais je vais juste vous lire ça. Read it to you. Et chacun va méditer à la maison. And each of you will
think on it at home. Apocalypse 21. Revelation 21. Apocalypse 21. Revelation 21. Verset 19. Il s'agit des 12 fondements de la muraille de la ville. Is about c'est-à-dire de la Jérusalem céleste. Les 12 fondements de la muraille. Qui sont 12 foundations, les 12 pierres précieuses which are qui forment la muraille. That form the walls. Jésus est la pierre. Jesus the son. Mais but ces pierres sont les dérivés de Christ. Come from the les petites pierres qui sortent de la pierre smallest angulaire stone coming from the cornerstone. Et qui doivent aussi jouer leur rôle dans l'église. To play their role into the church. Et chaque pierre a son rôle, each sa signification, his role, sa fonction his work, his dans l'église. Into the church. Et si nous allons développer ça aujourd'hui, nous n'allons pas quitter. If parce que c'est 12 pierres. Today, donc, vous allez lire les pierres, lire le verset, et nous allons arrêter là. And we'll stop there. Oui. Apocalypse 21, verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. Ça aussi sa signification. It has his meaning. Mm-hmm. The first stone le was second jasper. De saphir. Oui. Le troisième de calcédoine. Oui. Le quatrième d'émeraude. Mm-hmm. Le cinquième de sardonis. Le sixième de sardoine. Mm-hmm. Le septième de chrysolite. Oui. Le huitième de béryl. Mm-hmm. Le neuvième de topaze. Mm-hmm. Le dixième de chrysoprase. Mm-hmm. Le onzième de hyacinthe. Le douzième d'améthyste. D'améthyste. Ces pierres sont des pierres qui forment le fondement de la muraille de toute la ville which de Jérusalem. The foundation et c'était aussi of all the city of Jerusalem. Les pierres qui formaient there were also pills le vêtement sacerdotal de Aaron the clothes en tant que sacrificateur. High priest. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. There are many things to tell. Mais nous sommes arrivés à la fin. But we come to the...